rapport, c'est vrai, qui s'exprime, la voix des adultes parle plus fort que celle des enfants. On s'oppose au nom des droits de l'enfant, tout simplement parce qu'il s'agit de protéger l'enfant contre une privation très injuste, celle d'un papa ou d'une maman. Autant il est nécessaire d'aider les familles en difficulté, les familles monoparentales, les enfants qui ont des besoins de soutien, autant il nous paraît injuste de décider délibérément qu'un enfant n'aura pas un père ou une mère. Deux hommes ou deux femmes peuvent parfaitement aimer un enfant et l'éduquer. Mais là, on ment à l'enfant en prétendant qu'il a deux papas ou deux mamans. Ça n'existe pas. Un enfant, il a toujours un père et une mère.